s'appelle Christian. Je m'appelle Christian, de la Bulgarie, groupe Oratnitsa. Je joue caval et clavier. Et moi, je suis Ivan, le vocaliste du même groupe et même pays. Notre groupe стартира през 2009 година на един гръцки остров. Попаднахме част от членовете на бандата, където свирихме джем сешън и се роди идеята да създадем проекта. И после, като се върнахме в България, проекта се реализира даже и без име, но много бързо си намерихме име и след това ето Oratnitsa. Idée de projet était on s'est rencontrés en 2009 en Grèce pour un jam session et là un peu par hasard l'idée est née de jouer du folklore bulgare tout en combinant des instruments qui ne sont pas typiques au folklore bulgare, c'est-à-dire le cajon péruvien, le didgeridoo australien. Et voilà, une fois rentré à Sofia, on s'est mis au travail et on a travaillé sur le projet. В началото бяхме трима, като Иван, нашия вокалист, сега свираше на диджеридо, аз свирах на кавал и имахме и перкусионист, който свираше на кахон. Впоследствие към нас се присъедини още един четвърти член, който всъщност основно свири на диджеридо. Donc on a commencé avec toi en fait, moi au caval, notre percussionniste et Ivan, le vocaliste qui jouait dans le temps également le didgeridoo. Puis on a invité un spécialiste de didgeridoo, Jorge. Donc là on est devenu un quartet et quelques années plus tard, deux chanteuses nous ont rejoints, deux chanteuses de folklore voilà, vraiment traditionnelles et c'est cette combinaison là qui donne vraiment le son typique du groupe. Всичко беше базирано изцяло на импровизация и на откриване на музикални теми от моя страна, мелодични по време на самото свирене, които в течение на времето се заформиха като отделни парчета, след което песни, които на нас ни харесват, които смятаме, че звучат добре в изпълнение в този формат, започнахме да ги включваме към тези импровизации. Чак в последствие вече започнахме да ги аранжираме в определени форми. Au début, c'est plutôt basé sur l'improvisation. Et puis, on y ajoute les thèmes folkloriques. Et par après, bon, ce qui est intéressant, c'est que les membres du groupe, ils ont des intérêts musicaux qui sont très, très divers, disons. Et donc, ça donne un spectre très large d'interprétation, disons, de ces chansons folkloriques. Et comble de tout, notre vocaliste Yvan, qui est chanteur religieux, y ajoute son style très, très typique, ce qui donne un effet assez étonnant, disons.
Ами, тази история с COVID пандемията в изминалите две години мога да кажа, че ни се отрази и добре, и не чак толкова, защото добре ни се отрази, че имахме време да обърнем на семействата си. Всички сме семейни, имаме деца. И тази... L'histoire du COVID avait plusieurs visages, disons. De l'un côté, ça nous a permis de dédier un peu plus d'attention à nos familles, puisqu'on est tous avec des enfants. Donc voilà, cela en contraire avec la période des tournées, des concerts. Voilà, on n'était pas très souvent chez soi. De l'autre côté, ça nous a permis de travailler sur de nouveaux morceaux et de travailler sur un nouvel album. On en a déjà trois. Et voilà, donc on se prépare pour un quatrième, là. Черна черешо, трънкето дорке, черна черешо. Ти като седиш на меаната, трънкето дорке, черна черешо. Трънкето дорке, черна черешо. Трънкето дорке, черна черешо. Ти като седиш на меаната, трънкето дорке, черна черешо. Ами нещата доста се промениха в цялото течение на вече 12 години, 12 години, 14 години група. Това, което добавихме също е, че към нас се включи барабанист, преди това имахме предимно само перкусии и... En rétrospective, voilà, pour ces dernières 12 ou 14 années, il y a tellement de choses qui ont évolué. Par exemple, on a enrichi la percussion avec Stéphane Tsekov, qui non seulement est percussionniste, mais est batteur. Donc ça donne vraiment une autre dimension au son du groupe. Puis les deux chanteuses donnent une nouvelle dimension presque magique. En regardant combien de choses se sont passées les dernières années, on attend que ça continue à s'évoluer en enrichissant le son et en découvrant des nouvelles aventures musicales. Другия момент е такъв, че ние вече имаме и, нали, освен новите членове, като барабаниста Стефан Цеков. C'est même un peu dur de dire ce qui va se passer dans le futur, puisque une fois qu'on se rassemble pour des répétitions, pour des jam sessions, on est face à des surprises, on ne sait pas quoi attendre, on a des idées, mais on ne sait jamais comment se finira la session. Donc voilà, nous aussi, on est curieux de voir ce que ça donnera. Voilà, bonjour, Tim Gubel, belge, mais on se trouve à l'instant à Novi Sad pour le festival Exit. Je me
suis retrouvé en Bulgarie avec le vent de Lazare, disons. En fait, à Bruxelles, pendant mes années d'étudiant, j'avais organisé pas mal de concerts dans le jazz, dans la musique du monde, à Etterbeek. Mais à la fin de mes études, je voulais non seulement voyager, mais voyager et travailler. Et avec mon diplôme de psychologie, on m'avait invité à travailler à Sofia, une entreprise belge m'avait invité. Et donc voilà, j'ai pris le défi, je me suis retrouvé à Sofia en disant voilà, je vais rester 6 mois. Et au bout des 6 mois, je me suis dit, encore 6 mois. Puisqu'à la fin des premiers 6 mois, j'avais rencontré des musiciens extraordinaires, bulgares. Et pour moi, la musique bulgare était très, très, très inconnue. Mon seul contact avec la musique bulgare était de nouveau à Etterbeek, au centre culturel, à la plage Jourdan, où il y avait un concert de Théodosis Passov. Très chouette, folk et funk. Mon idée de la musique des Balkans, c'était des orchestres, à la Goran Bregovic. Mais en fait, la musique bulgare était tout à fait différente, beaucoup plus mystique, beaucoup plus raffinée par rapport à ce que j'attendais. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas cette musique en Belgique? On la connaît, mais elle n'est pas très très populaire. Et donc voilà, c'était vraiment une grande découverte. Et la question est comment je suis resté, comment j'ai décidé de rester. Et ben voilà, avec cette légère frustration que la musique bulgare n'était pas plus connue, j'ai décidé d'organiser un concours pour des jeunes groupes avec un défi d'interpréter des chansons folkloriques bulgares traditionnelles dans leur style. J'ai invité des groupes reggae, des groupes funk, des groupes jazz, etc. Et ils devaient tous interpréter la même chanson dans leur propre style. Et qui a gagné ce concours? On va regarder ça. Et quel était le prix du concours? C'était mon management et un concert à Sofia et après un concert au Balkan Traffic. Et c'est comme ça que mon histoire avec Oratnitsa a commencé. Eux, ils jouaient depuis pas trop de temps ensemble, quelques mois. C'était des musiciens de rue, en fait. À Bruxelles, j'étais pendant quelques années directeur artistique du Festival Bruxelles. Mais je ne suis pas musicien à la base, je suis psychologue. Mais voilà, petit à petit, ensemble avec eux, nous avons trouvé notre chemin dans la scène internationale en allant à Vomex et des événements similaires. Et c'est comme ça qu'on se retrouve pour la deuxième fois au festival aujourd'hui à Exit. Pour moi, le festival Exit, leur histoire est une histoire chargée, reliée à ce qu'on n'associe pas en principe avec un festival. Leur histoire de guerre et de révolution. Donc c'est un peu ça, un peu peut-être la tristesse ou la joie. Retrouver la joie dans la tristesse, ça c'est typique pour les Balkans. On n'a pas beaucoup de sous, on a une histoire qui est assez sombre, qui est assez chargée, mais on arrive à vivre avec. En fêtant, en parlant, en dansant, ça c'est vraiment typique pour cette région-ci. Oui, ce qui est très intéressant aussi à mentionner, c'est que le stage est soutenu par un programme qui s'appelle MOST. MOST, ça veut dire pont, et c'est un mot qui existe quasiment dans toutes les langues de la région. Et pourquoi? Parce que, en fait, il y a tellement de choses qui relient ces peuples des Balkans. Mais vu leur histoire, la cohésion a été perdue. Et ce que MOST essaye de faire, c'est de reconstruire cette cohésion, commençant par l'art, par la musique plus spécifiquement, et d'organiser un tas d'échanges entre festivals, musiciens, band managers, journalistes même, pour retrouver ce que peut rendre cette région plus forte, notamment l'union. Et voilà, c'est ça en fait un peu l'idée de MOST, vraiment renforcer le secteur musical régional.